Bienvenue dans mon humble échoppe. Ce sera pas long, j'en reviens. Je suis pas mal sûr qu'il faudrait que je recommence la game. Hey! Oh non, il est là! Oh, il est là! J'arrive! Je call dip sur le gun, c'est le drop. Toi. Quoi, les filles qui pocket? Non. Je ressens une grande chaleur maléfique. Ah, quoi que c'est vrai qu'on pourrait le dupliquer. Ouais, c'est ça, on va le dupliquer s'il y a de quoi là. T'entends ça? Ah, si, il a pas de repos. Bitch. C'est tout? Ouais, il a pas droppé son Legion. Genre, c'est le meilleur pistolet du jeu. S'il vous plaît, avancez, merci. Je donne me parquer comme une... C'est moi qui s'est passé là. T'as un peu passé qui m'aide. Il monte en haut, lui. Pourquoi? Y a pas de barbecue tant que je l'ai pas. Son of a... Est-ce que je l'aime ce gun là? Ce qui est nul par exemple, c'est que... Hein? C'est l'heure! Je t'abandonne la vie à vous autres, mais pas à moi. Non, c'est ça, mais toi, dans ta branche plus loin, t'as beaucoup de skills qui te permettent de garder beaucoup de vie. Genre, tu vas voir, t'en as un qui régénère ta vie graduellement, puis plus fort, plus que tu te manques de la vie. T'en as un que à chaque fois que tu tues du monde, tu recharges ta vie. T'en as un que c'est quand que tu as quelqu'un de face locké. Ou sinon, tu n'as qu'à suivre les hurlements. Reste en dehors de ça, chasseur de l'art. Il y a du monde partout. Hey, m'attends pas. On le fera payer pour ça, sans pitié qu'il a buté. L'ordure, on va le fouetter avec ses propres tripes. T'en rendu loin. Merci pour tous ces détails. Est-ce que ça pogne loin en crise, cette affaire-là? Ben oui. Je commence à aimer ça. C'est le temps de le rendre méga super ultra Goliath. Oh non, il est mort. Oups. Oh.
paraît mourir. T'as pas le laisser. Sage bitch. D'arrêter pas de tuer ceux que j'essaye de tuer. Ou quand je vois quelqu'un à terre, j'ai essayé de pas tuer. Oh ouais, j'ai vu ça les autres fois. Je pourrais mettre mon nouveau niveau. Je me demande où elle a cette confiance d'un seul coup. Sans pitié, en avant! On va lui faire regretter à cette chose. Tabarnak, tout ça dans la tête, ça fait mal. On va lui faire faire des bulles dans ses propres excuses. Oh non. Je viens pas ici! Non! Petite grenade, ta mère. Des petits bouchers, je vais te tuer, Fais les payer pour tout ce qu'ils ont fait. Antoine, t'es correct. T'es correct, mais t'es pas correct. Ok, t'es réapparu? Je cours partout. J'ai plus donné de la tête. Yes! Tu l'as plus! Bon, ah, excuse. Il y avait plus rien pour qu'il tue des enfants. Plus loin, en a. Nice. Ardent à hurlant. Tu sais, il paraît que le faucon boit des smoothies à la purée de bandit. Mais t'inquiète, je suis sûr que ce bandit de Roland n'est pas en danger. Évidemment, si Roland n'avait pas commencé à jouer au con... T'as pris ma balançoire. J'ai failli un dire mon secret. Un petit dans un bocal. Il chante... Aïe aïe aïe, je vais étouffer. Une goutte de sang dans l'océan. C'est peut-être bien ma faute. Bon et mal à la fois. Laisse-moi t'expliquer un truc. Même si tu arrives à sauver Roland de ce fameux faucon ardent, les pillards écarlates feront pas de vieux. Tu sais quoi? Je crois que t'as mérité un petit indice. Mon secret concerne la mort de notre résistance de pacotille. Pendant que moi, je rigole. Ouvre-moi tes 24. Critique, ah!
Action ou rien. Non, t'en fais pas. Je sais pas ce que je fais. Nice, notre Goliath il est level up. Ça en vient smooth. C'est pas couché par terre que tu vas les faire hurler de douleur. Oh ouais, moi aussi je t'adore. Merci. Ta gueule. Ouais, tu es seul Goliath. Voilà, il y a encore level up. Et ta Goliath. Et ta Goliath. Moi, tu es toi, va être un trop bon servir sur ton cadavre. Ouais, va-tu lui là-bas. C'est à combien de level qu'il faut le faire monter? Il y a 10 niveaux à monter. Ah. Pousse à moi, écrasé crâne à toi. Il y a ça encore des trucs à tuer? Non, plus trop, c'est pas bon. Il est presque mort, par exemple. On va y donner un petit coup de pouce. Ou pas? Non. Oh. Yeah, il y a level up, ultimate badass Goliath. Il y a plus rien à tuer là. Ah oui, il y en a un autre là. Il en reste deux, puis on peut l'attirer ces badass qu'il y a dans. Ma crise, tu la peste, crise de grande fatiguant. Aïe aïe. Je sais pas, mais on veut. Hey, pauvre fuck off là. Enfoncez-toi dans le ciel. Toi, d'accord. Bon ben il est mort. Bon, ils sont où les balles? À l'objectif. Ouais, je pense qu'il est presque mort par exemple. Je sais pas comment tu as perdu tant de vie que ça. Le repère du faucon ardent. Je t'en prie, fais attention. Il doit y avoir des pièges partout. Faut pouvoir l'affaiblir un peu le badass. Là. Non, Goliath est mort. Goliath. Moi aussi j'ai mal, ouais. Les petits bobos. Est-ce que t'es tombé dans le vide? Tu as senti ça? La mélodie des tremblements de terre accompagne mes foreuses qui se rapprochent de l'arche. C'est le son du progrès, baby. Oh maman! Une vraie dame. Oh amour. Avance. Bonjour pour le capitaine. Rip. What's up? Donne-moi du mort, je veux manger du mort. I wanna eat purple. Surnomme le faucon ardent, mais je m'appelle Lilith. Je suis avec les pillards comme toi. Je fais régner l'ordre chez les bandits pour que Roland puisse se concentrer sur Jack. Bref, longue histoire, grosse hémorragie interne. Tu peux me filer un coup de main? Évitons tout malentendu. Oui,
de ces articles ont été pris sur les cadavres. Je vais me filer un coup de main, donne-moi l'iridien. J'ai besoin d'un petit remontant. Va me chercher de l'iridium, tu veux? Je dois en avoir dans un de ces coffres. De l'iridium, vite! Ouais, c'est ça. Tu veux bien m'en donner? Merci beaucoup. Regarde-moi! Ouais, friendship is hate. Ah, merci. Je parie que tu cherches Roland, hein? Do you know the way, my queen? Do you know the way, my queen? Smells like Ebola. Very good smell. Ils sont dedans! Chopez-les! Je sens qu'on va se marrer. Je vais voir si je peux en désintégrer quelques-uns pour toi. Tu me poignardes pas! C'était pas tant ça que je voulais faire, mais bon. Un instant qui traîne à la terre. Elle brûle, mon esti, brûle! Moi aussi je veux faire ça. Yes. Me téléporter. Ouais, Maya là, pas ça. Même dans le premier, elle a pas su. Dans le premier, elle a phase walk, mais ça reste quand même haut. C'est une petite gun random entre lui là. Oh!
Y'en a du badass quand on est... Ouais, c'est ça. J'arrive de le dire, moi aussi. On s'ennuie pas. Je suis un peu vidé quand même. Tu peux me filer une autre dose d'iridium? De l'iridium, vite! On n'a pas beaucoup de temps. Trouve-moi de l'iridium. Tu veux bien m'en donner? Ouais. Genre. Oui. Depuis que l'arche a été ouverte, mes pouvoirs de sirène sont un peu bizarres, grâce à ce truc-là, l'iridium. Je sais pas pourquoi. Bon, et si on s'occupait de sauver mon fiancé? Avant de se faire choper par les sans-pitié, Roland récoltait des informations sur l'arche et sur les projets de Jack. Tu dois le retrouver. Moi, je vais retourner à Sanctuary faire un tour pas en l'absence de Roland. Mais d'abord, je vais te téléporter à Bloodshot Stronghold. C'est là que les sans-pitié gardent Roland. Tu auras l'avantage de la surprise. Ça va être tip-top. Sois petit pou. Rip. Je t'ai fait bouger de 3 mètres, c'est ça? Désolé. Je ne maîtrise pas encore tous ces pouvoirs. De toute façon, à Bloodshot Stronghold, c'est pas détendre. Tu ferais peut-être... Eh, au fait, tu me sens vraiment bien. Continue comme ça. Nah. C'est affreux comme son. Sais-tu qu'est-ce que je... Savez-vous qu'est-ce que je viens de me rendre compte? Quoi? Qu'il y a de la vibration dans la manette même sur l'ordi. Ouais. Je viens juste de m'en rendre compte. Tu travailles-tu le matin toi, Hugo? Ouais. Bah, c'est 10h15. Ouais. Ok. J'ai dormi toute l'après-midi. On doit y aller à l'ennemi, là. Bienvenue à la clinique portable du Dr. Z. Que puis-je pour vous? Nice booty! Toi. Vous êtes bien vacciné? Préviens-moi si quelque chose te plaît. Grosse cachane. Je ne sais plus quoi faire de ton argent. Do you like those pearls? Never do that again. Never do that again. Oh, Dustin. Dustin is love, Dustin is life. Why? Sorry! You killed my cat! You killed my cat! Ah, celle-là, c'est la meilleure. Oh, ouais. Oups. Sorry, Dart. You killed my cat. Fais attention. Les sans-pitié se sont installés tout autour du barrage. Un conseil. Trouve-toi une caisse parce que tu vas te faire canarder. Le wombo combo des nœuds à chapeau. Le meilleur combo. Yep. Il y avait un caillou. Vers l'infini et plus loin encore. Bon, fait que là, je vais aller voir Doc Mercy, voir s'il ne drop pas son hostie de gun. C'est nice. En plus, je connais un raccourci. Raccourci? Ouais. Ah, ça se peut que ça marche pas parce que j'ai lu par hasard. Asti. Trop crush? Trop crush? Non! Fuck. Ok, je suis correct. Ah, ça se peut-tu? Ok.
C'est bon, juste pour dire que j'étais pas correct. Je suis dans le trouble. I'm coming. Non, juste pour dire que... Ah! Pas facile. Ça peut un peu être pratique. Est-ce qu'il faut sauter en même temps ou... Non, non, faut juste que tu te mettes le plus loin possible du geyser. Ok. Pis que tu sois bien en ligne. Le plus loin possible. Ouais. Non, je me rends juste vraiment pas. Tire ta balle, Carlis, bon! Yes. You bitch! Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait que t'as trouvé ce qui a perforé toute ma clientèle. L'as-tu tué? Rends-moi service et récupère cette... Non, il est là. Ok. Et... Oh man. Fuck. Ah, c'est what? Moi, ouais, je suis mort trop souvent, j'avais plus de second wind life, genre. Alors, y'a rien droppé d'intéressant. Il vous sert votre diplôme de médecine maintenant. Eh ben ça alors. C'est de l'e-tech. Hunter, collect the reward. Si je dois soigner les blessures de flingue avec de l'e-tech, il va me falloir beaucoup plus de victimes. Maintenant que vous avez récupéré le pistolet du docteur Miséricorde, testez-le sur les bandits du coin. Il a pas droppé de gun. Il y a des choses qui arrivent. Fait que là, faut que je pogne le E-Tech Blaster. Puis que je tue du shit avec, c'est ça? Êtes-vous encore en train de vous pratiquer là-dessus? Ce petit place genre comme ça. En... Autre chose que des balles. Énergie, etc. Là, t'attends que le petit geyser y arrive. J'essaye de t'enligner. J'étais pas correct. Hey Hugo, faut que tu utilises le gun qu'ils t'ont donné dans la mission hein, pour les tuer. Ah je sais, c'est ce que je viens de faire là. Je suis en train de l'équiper. Dans le fond, ton bonhomme est trop lourd. T'en vole bien pas. Bon, on va aller klaxonner à la porte des Bloodshot. Pendant que ces deux-là, ils s'amusent. Ouais, ben là, on a tout tué les bandits qui avaient ici, là. Fait qu'il faut aller en tuer ailleurs. Ouais, pas grand monde on dirait. Continue de rouler et donne un coup de klaxon. Ce sera peut-être pas si dur après tout. Ouais, ouais, j'ouvre la porte. Attendez, abruti. C'est pas une de nos bagnoles. Ils sont là pour l'otage. Fuyez. Impossible que tu rentres comme ça. Et sans pitié, laisse rentrer que les bagnoles qui ressemblent aux leurs. Ellie vit en plein territoire hors la loi. Fais attention, amigo. Vraiment. What the fuck? Ok. Ça c'est pas place. Ouais. J'ai effectué des recherches. Et apparemment, vous devriez pouvoir trouver toutes sortes d'armes et têtes. Des fusils, des canons à plasma... Hey, Swar, va chier au pire avec ton assiette de cossin. Dangereusement cool. Si. Bitch. On tue des ennemis? Parce qu'il faut tuer les ennemis avec le gun pour la mission.
Ouais, c'est parce que tantôt, il demandait qu'est-ce qu'on faisait. Oh, il y a comme plus de bandits, là. Ouais, ils sont en dedans. Ouais, ben c'est ça, il faut aller ailleurs, on va tuer d'autres. Mais, c'est une pute. Bitches. T'apprendras à péter notre rafio. Le pire c'est que c'est moi qui l'ai brisé. Pas grave. Alors ça y est, t'es dans le test. T'as plus de signal. Fait que là, faut aller voir la belle Ellie. Ah oh ouais, la belle Ellie. J'aurais dû buter ton gros cul il y a longtemps! Pardon, tu disais? Parle un peu plus fort! Dire que ça, c'est la fille à Moxie, man. Genre. C'était génial. That was awesome. Ah, salut! T'es déjà là, toi? Que s'il y a bien une affaire qui a l'hérité de Moxie, c'est la peur de Nichon, tabarnak. Moi, c'est Ellie. Mon frangin scooter m'a prévenu que tu venais. J'ai pas beaucoup de visites par ici, surtout de quelqu'un comme toi. Ouais, c'est ça. Tu vas sauver ton patronon qui est retenu au barrage. Alors tu pourrais prendre l'avantage sur les sans-pitié ouais. Au volant d'un de ces bons vieux poids lourds. J'en ai un juste là, si tu... J'ai explosé le conducteur dedans. Désolé. Bon, j'ai une caisse standard dans l'atelier et la plupart des pièces qu'il faut, on va la maquiller avec des conneries des bandits. Point de sang, crâne, ce genre. Dans ton char. C'est dans le coin. C'est dans le bain. Et tu ne sais pas s'ils te traitent de tous les noms, hein. Après, c'est encore plus marrant de les buter. Y'a-t-il un char ici? Non. Cutie. Alors comme ça, tu t'entends bien avec ma sœur, hein? Super, super. Ok, ça c'est son... Ok, si ah. À te foutre de sa gueule, je t'attache à un distributeur automatique et je fous le feu. Mais c'est super, hein, que le courant passe entre vous. C'est chouette, hein? Vraiment, vraiment. Ils sont où les hosties de char? Il semble qu'il y a un spawn à char, pas juste ça. Oh non, je suis tombé dans le pit. C'est pas de là qu'ils sortent les chars, ça c'est des mobs. Dans le fond, ça, vous êtes déjà rendu à l'autre fucking bout. Ouais, ben c'est qu'on cherche des totos. T'as rien qu'à aller dans la machine pour spawner des chars pis spawner dans mon char là. On trouve pas. Qu'est-ce qu'il y en a une à côté de, des machines à acheter genre à la boutique à Ellie. What? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air que c'était le vide. Un char! Oh. Parce que quand on trouve un char, est-ce qu'il y en a deux? T'es. Ouais... J'arriverai pas à faire ça. Quasiment! Oh, j'adore ton sang! Oh! Il aurait manqué genre une balle! Ouais! Retour par papa!
Oh. Oh, man. Bonjour, le docteur. Si vous avez foi en vous-même, rien. Pourquoi qu'on a spawné ça? Sauf le beau Jack. Ok, y'a quelqu'un qui pète les chars pis qui ramasse pas les pièces. Ben, c'est moi qui ai pété un char pis que j'ai explosé en même temps de le péter. Ah, toi aussi. Parce qu'il y avait comme un autre char qui spawnait derrière pis qui m'a explosé. Explosion... Enlevez vos sales pattes de nos caravanes! On transporte du... Je viens juste de finir de préparer la caisse. Manque plus que les pièces détachées de bandits. Encore une poignée et on sera bon. Continue! Encore quelques bandits à carboniser et t'auras une caisse toute neuve. Les sans-pitié vont rien voir venir. Pourquoi tu sais sur Jimmy? Non. Hashtag sorry, not sorry. Ah non, pas un asti de bazar. Tu disais? Tabarnak, y'a trois chars ici! Oh, la caravane! Viens-t'en ici, mon petit calice. I need your parts. Oh, mes becs ont des becs! T'as une caisse de bandits? Presque. Roland peut tenir le coup face aux sans-pitié, mais en général, j'aime pas le laisser se faire torturer au-delà du raisonnable. Au-delà du raisonnable. Il en manque un. Tabarnak, est-ce que tu sais qu'on joue? Il manque un char. Ah, la recherche du char disparu. Ouais, c'est ça. Bip bip. Bip bip, I'm a sheep, I said bip bip, I'm a sheep. Lève le char! Motherfucker, viens ici! Level up! C'est là qu'il y a un autre char qui apparaît. Juste pour nous faire chier. Toujours de même. Fais mon esti. Konoyaro! Ora, 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 voilà ta caisse comme neuve. On va faire quelques modifications. Nice. Jamais vu quelqu'un aussi bien parfait que toi. Waouh, c'est la classe. On n'a plus qu'à l'obtenir à l'aide du système autolock. Catch a ride, 6. Hey! Tu peux faire quelque chose? Chouette!
Tu pourras te numéraliser une caisse de bandits dans notre. Ah, ça te tenterait pas de te tasser, tu m'en peux un genre de passer, bon, merci. Et dis à Scooter de plus foutre le feu à mes clients. Je sais me défendre. Voilà une bagnole de tueur psychopathe. Ça me plaît grave. Retourne au Bloodshot Down et essaie de klaxonner pour entrer. Ben t'es embarqué? Genre... We all slow down here. Oh damn. Ok, vous êtes trois dans le même char. Chez eux, Klaxon. Ils devraient te laisser passer maintenant que ton carrosse a un look sans pitié. C'est un véhicule de bandit. Je me souviens plus comment qu'on klaxonne, d'eau. Comme ça. J'ai pesé sur plein de pitons, ça a donné ça. Get up, get up, you've got people to hurt. Est-ce que je la trouve cool son introduction à lui? Sup motherfuckers! Bad ball. And he's very midget. J'aurais peut-être pas voulu commencer en face de lui, par exemple! Calice. Ow! Grenade. Remonte sur tes délicieux cuissons! Si tu meurs, je te tue! Oh non! Hey, pas le premier soir. Je suis tellement content que je pourrais te tuer. Juste checker, un peu. J'ai changé de personnage. C'est le correct. C'est l'heure. C'est l'heure. Oh ouais, poupée. Ok, non. Je me suis trompé, c'était...